Rappelons ici les notions fondamentales de la trigonométrie, et commençons bien sûr par le cercle trigonométrique. Dans un système de référence orthonormé du plan, nous traçons le cercle de centre O de coordonnées 0, 0 et de rayon 1. Dans le cercle trigonométrique, nous traçons un angle alpha, dont ce côté d'angle détermine sur le cercle trigonométrique ce point P là. Ce point P dépend de alpha, car si on change l'amplitude de alpha, P change avec. Puisque P dépend de alpha, c'est que son abscisse dépend de alpha, et cette dépendance, on l'a appelée cosinus. Donc le cosinus de cet angle alpha, c'est l'abscisse de ce point P. L'ordonnée de ce point P est appelée sinus de alpha. La voilà. Dans ce triangle rectangle-là, nous pouvons appliquer le théorème de Pythagore qui dit que ce côté de l'angle droit au carré plus ce côté de l'angle droit au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Donc le cosinus de alpha au carré plus le sinus de alpha au carré est égal à 1 au carré, d'où la formule fondamentale de la trigonométrie. Rappelons ici que le cosinus de alpha au carré est aussi écrit cos carré de alpha. Donc voilà la formule fondamentale de la trigonométrie. Par ce point E, nous traçons la droite verticale que voilà. Maintenant, nous prolongeons ce côté d'angle OP jusqu'au point d'intersection avec cette droite verticale, comme ceci. Le sinus de alpha divisé par le cosinus de alpha, ça c'est par définition la tangente de alpha. Et nous avons démontré que l'ordonnée de ce point-là, c'est la tangente de alpha. Donc ce nombre violet, c'est ce nombre rouge divisé par ce nombre vert. Par ce point U là, nous traçons la droite horizontale. Ensuite, nous prolongeons ce côté d'angle OP jusqu'au point d'intersection avec cette horizontale, comme ceci. Le cosinus de alpha divisé par le sinus de alpha, ça c'est la cotangente de alpha. Et l'abscisse de ce point, c'est la cotangente de alpha. Nous pouvons lire plein d'informations dans le cercle trigonométrique, donc essayons de bien le maîtriser. Rappelons maintenant nos formules trigonométriques dans un triangle rectangle. Bien sûr qu'on a le théorème de Pythagore, mais aussi ces quatre formules-là, attention, qui ne sont applicables que dans un triangle rectangle. Le sinus d'un angle aigu, c'est toujours le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus d'un angle aigu, c'est toujours le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. La tangente d'un angle aigu, c'est toujours le côté opposé divisé par le côté adjacent. Et la cotangente d'un angle aigu, ça, c'est toujours le côté adjacent divisé par le côté opposé. Dans un triangle quelconque, nous avons également des formules à notre disposition. D'abord, la somme des amplitudes des angles intérieurs vaut pi radian, 180 degrés. Pour calculer l'aire de ce triangle, on peut bien sûr faire, comme à l'école primaire, base fois hauteur divisé par 2, comme ça, mais on peut aussi calculer l'aire d'un triangle quelconque par la formule côté fois sinus de l'angle qu'il forme divisé par 2. Dans un triangle quelconque, nous ne pouvons pas appliquer ces formules-là, mais nous avons bien sûr la loi des sinus et aussi la loi des cosinus à notre disposition. Rappelons ici les formules trigonométriques que nous avons toutes démontrées. Commençons par les formules d'addition.
les formules de duplication, ces formules de Carnot que nous avons démontrées en quatrième comme exercice, on les appelle formules de Carnot en honneur du mathématicien français Lazare Carnot. Nous avons aussi démontré les formules en petit t, ainsi que les formules de Simpson. Ça, ce sont les formules fondamentales qu'il faut absolument connaître pour pouvoir travailler en trigonométrie. Résolvons maintenant deux tâches trigonométriques. Voici la première. On nous demande de démontrer la formule de la bisectrice. On nous donne un triangle quelconque ABC. On trace la bisectrice relative au côté A et on l'appelle B indice A. On peut calculer la longueur de cette bisectrice, c'est-à-dire la longueur du segment AD, comme ceci. On calcule le double produit de ces deux côtés BC. On divise ce double produit par la somme de ces deux côtés BC et on multiplie cette fraction par le cosinus de alpha demi, donc de cet angle-là, ou de cet angle-là. Le tout, c'est l'angle alpha. Et puisque BA, c'est la bisectrice de cet angle alpha, c'est que les deux angles ici valent bien alpha demi. La démonstration de cette formule-là commence par une idée très simple. Il suffit de dire que les deux triangles petits font ensemble le grand triangle. C'est comme ça qu'on appellerait ça à l'école primaire. Nous disons ici que l'aire du triangle ABC est égale à la somme des aires des triangles ABD et ACD. Il faut déjà tomber sur l'idée de commencer la démonstration ainsi. Nous allons calculer ces trois aires-là au moyen de la formule qui contient le sinus. Donc nous calculons ici l'aire d'un triangle par côté fois le sinus de l'angle qu'il forme divisé par 2. Et nous faisons la même chose pour les deux autres triangles. Maintenant, nous multiplions cette égalité-là par 2. Voilà, c'est fait. Ici à droite, on peut mettre BA fois sinus de alpha demi en évidence. Voilà, c'est également fait. Et maintenant, là, nous voyons l'angle alpha demi. Et là, on voit l'angle alpha. Alpha, c'est le double de alpha demi. Donc, ça nous fait penser à la formule de duplication. Je lis cette formule. Le sinus d'un angle est égal à 2 fois le sinus de la moitié de cet angle fois le cosinus de la moitié de cet angle. On peut écrire cette formule comme ceci. Maintenant, je relis exactement la même phrase que là. Le sinus d'un angle est égal à 2 fois le sinus de la moitié de cet angle fois le cosinus de la moitié de cet angle. Donc, ces deux formules-là sont équivalentes. Nous pouvons donc remplacer ce sinus de alpha par ce produit-là. Voilà, c'est fait. Et en même temps, j'ai mis le membre de gauche à droite et le membre de droite à gauche. Évidemment, si x est égal à y, c'est que y est égal à x. On peut faire ça. Cette égalité-là peut être simplifiée par sinus de alpha demi, et ainsi nous obtenons de suite la formule souhaitée. Sinus de alpha demi est parti. Nous voyons ainsi que BA est égal à 2 fois B fois C fois le cosinus de alpha demi divisé par B plus C, ce qu'il fallait démontrer. Voici la deuxième tâche annoncée. On nous demande de résoudre l'équation trigonométrique sinus au cube de x plus cosinus au cube de x est égal à 1. Nous allons résoudre cette équation
au moyen des formules en petit t. Mais pour pouvoir appliquer les formules en petit t, il faut s'assurer que x demi soit bien différent de pi demi plus k pi. Parce qu'en pi demi plus k pi, la tangente n'existe pas. Donc là, le petit t n'existe pas. X demi est différent de pi demi plus k pi, ça signifie que x doit être différent de pi plus 2k pi. Vérifions donc si pi est une solution de cette équation. Remplaçons x par pi là-dedans et là aussi. Le sinus de pi est nul, donc son cube aussi. Le cosinus de pi, c'est moins 1, donc son cube aussi. Donc ici à gauche, nous avons 0 plus moins 1, c'est-à-dire moins 1, et moins 1 n'est pas égal à 1. Donc nous sommes sûrs que pi plus 2k pi, tous ces angles-là, ne sont pas solution de l'équation. Nous pouvons maintenant appliquer la méthode en petit t, ce qui signifie que nous remplaçons le sinus de x par 2t sur 1 plus t carré, c'est fait, et nous remplaçons le cosinus de x par 1 moins t carré sur 1 plus t carré, ce qui est également fait. Cette fraction au cube, c'est le 2t au cube divisé par le dénominateur au cube, donc c'est 8t au cube sur 1 plus t carré au cube, et cette fraction-là au cube, ça donne 1 moins t carré au cube sur 1 plus t carré au cube. Ce dénominateur 1 plus t carré au cube, on va pouvoir le mettre à droite où il va multiplier ce 1. Ensuite, ce 1 plus t carré au cube, nous le mettons à gauche du signe d'égalité et ainsi, après calcul, nous obtenons ceci comme équation. Ça, c'est une équation du sixième degré. En développant tout ça, nous obtenons l'équation du sixième degré sous cette forme-là. Mais nous avons de la chance parce que nous pouvons mettre ici 2t carré en évidence, comme ceci. L'équation à résoudre se réduit maintenant à une équation du quatrième degré. Nous cherchons encore les racines de ce trinôme-là. Mais attention, ce n'est pas un trinôme du deuxième degré, il est du quatrième degré. Mais si on regarde bien, en remplaçant t là-dedans par 1, on trouve 1 moins 4 plus 3, c'est-à-dire 0. Donc par la grille d'Horner, on peut diviser ce trinôme par t moins 1. On obtiendra alors un polynôme du troisième degré, qui lui sera encore une fois divisible par t moins 1, et ainsi nous obtenons que le produit de ces trois facteurs doit être nul. Mais c'est le cas lorsque le premier facteur est nul, c'est-à-dire t vaut 0, ou bien le deuxième facteur est nul, c'est-à-dire t vaut 1, ou bien le troisième facteur est nul. Mais ce troisième facteur ne s'annule jamais dans l'ensemble R parce que le discriminant de ce trinôme du deuxième degré est strictement négatif. B carré moins 4ac, c'est strictement négatif. Donc ce trinôme-là ne s'annule jamais et les deux racines de cette équation-là, ce sont 0 et 1. N'oublions pas, nous avons juste trouvé les valeurs de petit t. On nous demande des solutions en x. N'oublions pas back to x. Si t est égal à 0, c'est que la tangente de x demi est égale à 0. Ce 0 peut être écrit sous forme de tangente de 0. Alors nous avons l'équation fondamentale tangente égale tangente qui nous mène de suite vers ces solutions-là. Si t est égal à 1, c'est que la tangente de x demi est égale à 1. Oui, mais 1, c'est la tangente de pi quart. Donc, nous avons l'équation fondamentale tangente égale tangente qui nous mène de suite vers x demi est égal à pi quart plus k pi
Et donc le x est égal à pi demi plus 2k pi. N'oublions pas de mentionner ici que le nombre k doit être un nombre entier. Et n'oublions pas non plus de mettre toutes les solutions dans l'ensemble solutions.